Hé, tu veux jouer à un jeu? Ouais, c'est quoi? C'est le Jenga du nucléaire. Connais pas. Hé, moi je connais, je peux jouer? Bah ouais, viens. Alors c'est facile, on a des pièces en bois qu'on empile et ça représente tous les pays qui ont du nucléaire. Ouais, les États-Unis, la France, le Japon, la Russie, la Corée du Sud. Oui, bon, ça va, il y en a beaucoup, ça va, il y en a beaucoup, on a compris. Et ensuite? Ensuite, on retire des pièces parce que c'est dangereux le nucléaire. Bon, alors je prends la centrale de Bezna en Argovie. Ah, non, ça tu peux pas la prendre avant 2019. Ok, bah alors je prends Gusgun à Soler. Pas avant 2021. Ah, oh, mais alors Leibstadt. 2034. Ah, oh, mais vous commencez à me fissionner. Hein? Quoi? Non, mais parce que c'est. Parce que le nucléaire, l'atome, la arrête, fission. Arrête, s'il te plaît, c'est nul. Mais non, mais c'est pas nul, c'est plus. À la limite, c'est nucléaire. Ok, alors je prends la centrale d'Isar en Bavière et je remets la pièce dans la boîte. Mais arrête! Bah quoi? Mais c'est du nucléaire, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. Quand tu démantèles une centrale, faut encore des années avant que les déchets soient plus radioactifs. Ah bon? Bah alors j'en fais quoi? Tu la stockes. Vas-y, remets-la au-dessus. Alors moi je prends Tchernobyl. Bouge pas! On n'est pas passé loin. Dis donc, c'est quoi ces pièces de travers qui s'ajoutent? Ah, t'occupes, ça c'est l'Iran qui construit des nouvelles centrales. Alors, à moi, je prends la centrale de Fukushima. Respect. Moi, je le ferai pas. Ça va, c'est bon, regarde, des ciments. Non, mais attends, il y a d'autres pièces qui partent avec. Ah bah ouais, ça, à Fukushima, des déchets, il y en a partout, hein, dans l'eau, dans la terre, les animaux. S'il y a bien un peuple qui sait que le nucléaire, ça peut péter, c'est les Japonais quand même. Mais quand